Salut à tous, c'est XSCarter, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre gameplay sur sur D3, pardon. Et on va attaquer la mission suivante. Mais attends, il était pas tombé dans le vide, lui. Les androïdes n'étaient pas autorisés. T'as un problème ? Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bar. Qu'est-ce que tu veux ? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de CyberLife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi, alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Écoutez, je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi. Ça nous facilitera les choses à tous les deux. Je regrette, lieutenant, mais je suis obligé d'insister. Mes instructions précisent que je dois vous accompagner. Les instructions, tu sais où tu peux te les mettre. Non. Où ça? Il est vraiment con, hein. Laisse tomber. Vous savez quoi? Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous? Barman? La même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim? Les merveilles de la technologie. Sers-moi un double. T'as dit homicide? J'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime, lieutenant. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici, alors tu fermes ta gueule et tu m'attends ici. Joss Douglas, pour Channel 16. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide ? Je confirme que dalle. D'accord, Kerr. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi! Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien, et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut, Hank! On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus.
Alors, comme ça, on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé ici. L'envoyeur nous a appelé vers 20h sur... Bon, ouais, toujours. Le locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. C'est là qu'il a découvert le corps. Ce qui explique peut-être pourquoi il payait pas. Oh, bon sang, mais ça pue! Mais c'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Bon, la victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier pour vol et voie de fait grave. D'après les voisins, il était plus... du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger tout. C'est vrai, c'est la fameuse Red Ice, comme il a le père de la fille. Ils auraient pu attendre demain matin. À vue de nez, ça doit bien faire 3 semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici, probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction ? Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde ? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'air. Fais comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Attends, j'en ai loupé un alors. S'il me dit qu'il y en a 4. Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. Aucun humain n'écrit comme ça. Chris, ça a été écrit avec le sang de la victime ? J'imagine. On prend des échantillons pour analyse. Oh bah ça va encore. 28 coups de couteau, hein? 19 jours, ouais bah. Il a été poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. La Red Ice. Notre ami Carlos aimait faire la brinque, on dirait. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. Mais comment quelqu'un peut habiter c'est là-dedans? Comme si c'était fait. Apparemment. Ah. J'ai plus d'image.
était fermé de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chausse du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conserverait une trace. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Batte de baseball. C'est sa faute. Il y a un bal légiste. Il aurait dû arriver il y a une demi-heure. Il est sérieux, lui ? Il a pensé que c'était un comment ça s'appelle, il a pensé que c'est qu'il l'espionnait, puis du coup bah ça a merdé. Alors non, ici j'ai déjà fait tout ce qu'il fallait, je vais aller voir à côté, c'est pas autre chose. Bah, y a pas un truc peut-être. Ça change, j'imagine. Ah putain, c'est dégueulasse. Nofrand religieuse, mais il a fumé son slip, lui. Bref. Les 9 trucs, voilà. Je vais aller parler au monsieur. Où est-ce qu'il est, lui? Bah, il doit être dans le salon, j'imagine. Ou dehors. Ah non, il est là. Lieutenant. Je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé. Dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Continue. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça? Ok, il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans... Thank you.
L'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime. Avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Et ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thyrium. Perdu du quoi? Du thyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Oh. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein? Exact. Ouais. Allô, j'aimerais pouvoir passer. Voilà. Ensuite, le sang, il part par où? Une échelle, est-ce que je peux trouver ça, moi? Une chaise, peut-être? Hé, tu fais quoi avec cette chaise? Je vais vérifier quelque chose. Remarque, je suis peut-être pas mort en sautant du truc, hein, mais c'est ce qui m'avait semblé. Je voulais simplement me défendre. Il allait finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Il est ici, lieutenant! Putain de merde! Chris! Ben! Ramenez-vous en vitesse! Allez!
j'ai rien fait. Hein. Oh, qu'est-ce que j'ai pas fait? Il y a un truc que j'ai pas fait. Bon, écoute. Hein. Bon, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite. Salut!